Allez bien, c'est Christine de l'Amour en soi. On se retrouve pour la review de ce très bel oracle qui s'appelle l'Oracle des cristaux qui m'a été envoyé par Isabelle des Éditions Médicis qui fait partie du groupe euh, Guy et Daniel, comme vous le savez. Merci encore. Alors, je vous avoue que lorsque je l'ai reçu sur le coup, euh, j'étais pas forcément emballée parce que je me suis dit, tiens, encore un oracle sur les cristaux, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais celui-ci vraiment est très très fort, je trouve, parce que euh, quand on regarde les cartes, on arrive vraiment à se connecter à l'énergie de chaque cristal. Et euh, je trouve qu'il y a euh, une, une autre manière de travailler avec ce, ce, cet oracle qui est assez intéressant et on va forcément le découvrir ensemble. Alors déjà, c'est un oracle qui a été créé par Rachel. Charman, Rachel Charman est une chamane australienne très respectée là-bas, très connue et qui a l'habitude de travailler justement avec les cristaux. On en parlera un petit peu plus après. Alors, ce bel oracle arrive dans une boîte comme ceci que vous ouvrez par le dessus. C'est assez original. Et alors, vous voyez, quand elle est fermée, elle est comme ceci, très jolie aussi. Voilà, avec ce, cette partie dorée qui, qui ressort pour le coup. Donc voilà l'intérieur. Vous prenez vos cartes et votre livre comme ceci. Donc on va regarder d'abord le livre et on regardera ensuite les cartes. Alors on va quand même lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Découvrez dans ce coffret 33 magnifiques cartes, chacune d'elles figurant un cristal. Ces, pièces, ces pierres uniques et puissantes appelées cristomètres contiennent des vibrations spécifiques et intenses. En vous connectant à leur énergie, vous pourrez communiquer avec les Devas, guides spirituels du monde minéral et maîtres d'amour inconditionnel. Les Devas veilleront sur vous et vous livreront des conseils précieux. Grâce à eux, vous pourrez sonder votre avenir et parcourir votre chemin de vie avec lucidité, force et détermination. Donc oui, j'allais vous expliquer ce que sont les dévats, mais du coup vous les avez. C'est des guides spirituels du monde minéral. Généralement, on dit souvent que ce, ce sont les esprits euh, du monde végétal, minéral, euh, voilà, de la de la terre. Voilà, comme ça, ça vous donne un petit aperçu. Donc le petit livret, qui est pas si petit que ça d'ailleurs, se présente comme ceci. Il est en couleur, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez tout d'abord, eh bien le sommaire. Voilà. Alors, je voulais voir euh, si ça avait été... Voilà, ça a été traduit, c'est bien ce qui me semblait. Ça a été traduit de l'anglais, puisque c'était sorti d'abord sous le titre Master Teacher Crystal Oracle. Et euh, donc, ça vient d'être traduit. Donc, sa première édition, il n'y a pas l'année. Si, ça doit être 2021, je pense. Et donc, 2022. Pour la traduction. Donc voici le sommaire avec les numéros de cartes, le nom de la carte et le, la page qui est référencée. Alors vous n'avez pas, pas le nom du minéral là. Vous voyez, vous avez amour unique, tribu unique, chance, etc. Et vous avez la carte 33 qui est un petit peu particulière. On la regardera après. Ici vous avez Ganesh. Je vais vous expliquer également pourquoi dans cette jolie fleur de lotus magnifique. Et ici, vous avez justement le fleur de lotus et la, la fleur de vie, pardon, qui sont représentés au dos de chaque carte. Voilà. Donc là, dans l'introduction, on vous parle justement que ces cartes puissantes sont un cadeau des dévas, des maîtres et une bénédiction du royaume, du royaume minéral. Alors, il a été créé cet oracle pour vous offrir une guidance, un soutien. Une clarté et une aide à la guérison. Il se compose de 22 puissants cristaux originaux et 11 autres qui ont été canalisés spécifiquement pour cet oracle. Les dévas offrent leur aide et à la guérison, leur sagesse et leur guidance au travers de ce coffret et sont vivants dans les cartes. Vous êtes donc encouragés à travailler étroitement avec eux et à tirer le meilleur de cet outil sacré. Voilà, ensuite, donc on continue. Alors pour reconnaître les fameuses 11 cartes qui sont un petit peu spécifiques, qui ont été rajoutées et canalisées pour cet oracle, vous verrez, il y a un petit signe, c'est un petit cœur qui est sur la carte euh, pour les reconnaître. Donc là, on vous explique comment travailler avec l'oracle. Alors pour chaque carte, vous avez bien évidemment, on va le voir ensuite, donc euh, l'interprétation. Donc vous avez... En 1, identifier le cristal, qui est une section qui vous explique en détail comment identifier chacun des cristaux. Après, vous avez son pouvoir. Elle vous explique, là, on vous explique en détail l'énergie du cristal et quelle aide il peut vous apporter dans votre vie. Ensuite, il y a le message canalisé du Deva. C'est le message à votre intention que le Deva du cristal vous transmet, donc guide spirituel du cristal. Et ensuite, vous avez. Le petit, euh, le petit encart cérémonie où là c'est une guidance tangible et un soutien du Deva pour vous connecter plus en profondeur à son pouvoir ou son énergie. Ce processus vous aidera à les intégrer pleinement, ce qui vous permettra d'en acquérir la maîtrise. Et donc toute carte comportant un petit cœur indique qu'il s'agit de l'un des onze cristaux spécialement ajoutés à ce jeu. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. On continue notre exploration ici. Donc vous avez comment prendre soin de vos cartes, comment faire un tirage, comment vous connecter à votre intuition, tirer les cartes pour une autre personne, qui est tout à fait possible. Ensuite vous avez divers, divers exemples de tirages. Donc la carte unique, la vue d'ensemble, ce qui est une vue d'ensemble pour éclaircir sa conscience. Vous avez le tirage à trois cartes. Le tirage à quatre cartes, la vue d'ensemble des chakras. Pour connaître, donc là, vous allez être guidé sur votre problème ou alors vous pouvez demander un aperçu des énergies qui affectent vos chakras. Ensuite, vous avez le tirage des, du maître enseignant. Et voilà, ensuite, on passe directement aux, euh, aux pierres. Alors, par contre, là, on vous parle des cristaux maîtres. Qui sont donc uniques et puissantes dans le royaume minéral que l'on appelle donc les cristomètres. On les reconnaît à la diversité de leurs formes géométriques et de leur taille, qui déploient des énergies puissantes pour vous aider à réveiller votre professeur intérieur et votre plein potentiel. Leurs formes, angles et compositions pures émettent et contiennent des vibrations spécifiques. En travaillant et en vous connectant aux cristomètres de structure et de vibrations pures, vous apprendrez à vous comprendre et à comprendre la magie de l'univers. En sondant votre âme, pour découvrir l'amour et la sagesse qui s'y trouvent, vous vous sentirez intimement guidé par votre propre cœur aimant. Et donc ces cristaux reflètent, amplifient et activent le maître qui est en vous, on les retrouve le plus souvent, dans le quartz transparent, le quartz fumé et la citrine. Donc bien que certaines de ces magnifiques pierres aient été, été polies, elles ne sont pas artificielles, mais se forment naturellement dans les profondeurs de la terre. Alors oui, je devais vous parler de Ganesh aussi. C'est vrai. Euh, alors, où est-ce qu'elle en parle Voilà. Ce puissant oracle a en outre été inspiré et supervisé par Ganesh, la divinité hindoue connue pour sa faculté à lever les obstacles. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Donc ensuite, on va détailler une carte, par exemple, on est sur la carte 6. Donc vous avez en représentation ici avec la carte. Donc ce cristal vous permet de comprendre que tout est un miroir et vous aide à identifier ce qui vous est montré, identifier le cristal, son pouvoir qui est ici. Ici, vous avez le message du déva du cristal et ici la petite cérémonie qui sera à faire. Mais de toute façon, on tirera une carte à la fin pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et ici donc Rachel, qui est donc, comme je vous l'ai dit, une chamane australienne, maître, enseignante, auteur, gardienne d'espaces sacrés, conférencière et fondatrice de l'Académie of Crystal Awakening, créée en 2000 pour offrir ses dons aux autres. Elle est la gardienne de la sagesse millénaire des cristaux, ainsi qu'une voie et un canal, pour le royaume minéral. Voilà, comme ça vous savez tout. Oups, la transparence, euh, la brillance, pardon, c'est pas terrible. Voilà, maintenant on regarde les cartes. Alors les cartes de très bonne qualité, comme on a l'habitude de retrouver euh, aux éditions Très Daniel. Il n'y a pas de tranche dorée. Il n'y a aucune tranche d'ailleurs. Elles sont totalement neutres. Et on va découvrir les cartes sur un fond musical. Et on fera un petit tirage à la fin, si vous le voulez bien. Et du coup, vous avez pu constater que la dernière carte n'a pas de quartz du tout, n'a pas de pierre. Alors pourquoi Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc c'est la 33 e et en fait on vous dit que ce pouvoir euh, vous aide à vous aligner sur votre pouvoir personnel et à exploiter. C'est-à-dire que cette carte, elle est vierge, car il s'agit de votre cristal de pouvoir personnel. Et donc c'est à vous de le trouver. Donc si vous êtes vous tombez sur cette carte, ce sera à vous de trouver la carte. Euh, qui va vous aider justement à, votre, à vous connecter à votre pouvoir personnel. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mélanger les cartes. On va tirer une carte, on va lire pour voir de quoi il s'agit. Et je reviens pour le faire, puisque comme elles sont neuves, je, je veux qu'elles soient très bien mélangées. Alors, regardez par contre, vous voyez qu'elles se mélangent très bien. Bon, par contre, je suis devant la caméra, donc c'est toujours un peu délicat. Donc, je vais bien les mélanger, puis je reviens. Voilà, elles sont mélangées. Je les coupe, j'en tire une, on regarde quand même qu'est-ce qu'on a au dos, on a l'énergie, communication. Et on va prendre celle-ci, qui est donc l'éveil, intelligence émotionnelle. C'est la numéro 5. Ce soin vous éveille à un, nouveau, à un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Donc je répète, pardon ce soin vous éveille à un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Identifiez le cristal. Identifier un cristal d'éveil peut être un peu délicat au début, cependant une fois que vous avez appris à les reconnaître, vous ne les raterez plus. Il est parfait il est parfois appelé pardon, quartz alligator en raison de son aspect semblable à la peau du reptile. Il se présente généralement sous forme de quartz fumé, mais vous pouvez le trouver en cristal de roche et améthyste. Sa structure est constituée de concrétions de différentes tailles qui s'agrègent pour former le cristal. Son pouvoir. Ces cristaux sacrés sont des cadeaux du royaume angélique et, et d'après mon expérience personnelle, ce sont les plus puissants sur Terre, une véritable offrande à notre planète en cette période de transformation. Un cristal d'éveil détient en lui les secrets de la guérison du corps émotionnel à la grande échelle et œuvre à notre conscience du groupe afin d'aider la planète à amener l'unité dans la communauté mondiale. La connexion à un cristal d'éveil vous permet de faire la lumière sur vos blessures émotionnelles avec l'intelligence émotionnelle et bien-être. Il amplifie les émotions enfouies, leur permettant de faire surface tout en vous soutenant et en vous épaulant lorsque vous vous confrontez à votre blessure lorsque votre cœur s'ouvre et que vous faites l'expérience de l'amour de soi, votre conscience s'élargit pour recevoir le cadeau d'un tel défi. Une fois ces émotions rééquilibrées, votre vie sera moins marquée par la dépendance, la dépression, l'anxiété et la séparation. Le cristal d'éveil est idéal pour ceux qui ont entrepris un voyage d'amour et d'acceptation dans l'ombre de leur psyché car il offre un espace sûr et puissant pour regarder au plus profond de vos espaces secrets. Il aide également à prendre conscience des raisons et de la manière dont les gens vous affectent. Vous ne verriez pas quelque chose chez quelqu'un d'autre si vous ne l'aviez pas en vous. En tenant compte de cela, si quelqu'un vous pousse à bout ou déclenche quelque chose d'émotionnel en vous, il vous donne l'occasion de voir ce trait, un aspect douloureux ou oublié, en vous même. Le cristal d'éveil est un espace sacré pour l'ouverture profonde de votre esprit, de votre cœur, contribuant à résoudre les déclencheurs affectifs et vous permettant de comprendre d'où vient l'émotion. Ce processus vous permet d'arrêter de vous projeter sur les autres et de reprendre votre pouvoir et vos responsabilités, vous libérant ainsi de vos chaînes émotionnelles. Ce cristal aide donc à la purification, à la guérison émotionnelle profonde, à développer l'intelligence émotionnelle, à libérer et transformer le deuil, la peur et les traumatismes, à dissoudre les vieilles blessures du passé, à comprendre les profondeurs du moi, à accepter le processus de mort, à comprendre sa part d'ombre, à vaincre l'addiction et à guérir le système nerveux. Message du débat vous êtes entré dans une période puissante de purification et guérison émotionnelle car le cristal d'éveil, l'un des plus puissants de la planète, détient le remède de l'intelligence affective et de la guérison de l'humanité. Il aide à apporter amour et conscience à toutes les émotions douloureuses réprimées en raison de la peur et de l'incompréhension et offre un espace sûr pour ceux et celles qui surmontent, qui un espace sûr pour, pour que celle ci pardon, remonte à la surface et soit acceptée et honorée donc que vos émotions remontent à la surface et soient honorées et acceptées. Le cristal d'éveil permet de comprendre pourquoi les gens déclenchent vos émotions enfouies et vous aide à assumer vos sentiments et à ne pas les projeter sur les autres. Il ouvre un espace qui vous permet de dépasser le déclencheur en vous connectant à la source originelle de la douleur. Travaillez ainsi avec le remède Peut aider à apaiser la dépression et l'anxiété. Il permet aux personnes empathiques de faire la distinction entre leurs propres ressentis et émotions et ceux des autres et les aide à surmonter tous les types de dépendance car il vous encourage à vous apaiser de l'intérieur. Avez-vous des ascenseurs émotionnels Vous sentez-vous sur la défensive et frustré Avez-vous l'impression que vos émotions régissent votre vie ou de remettre sur les autres ce que vous éprouvez Trouvez-vous difficile de distinguer ce que vous ressentez Vos dépendances vous font-elles du mal Souffrez-vous d'anxiété et de dépression Si vous êtes concerné, il est temps de travailler avec ce puissant remède pour apporter une clarté à votre état émotionnel. Sachez que les dévas sont ici avec vous en ce moment de grand éveil que vous avez la force et le courage de vivre toutes vos émotions sans les nier, les cacher ou les refouler. Il est temps de vous ouvrir pleinement. Et de permettre à vos émotions de faire surface, puis de travailler avec cette magie puissante pour honorer, accepter et aimer vos émotions libérées de leurs liens. Alors, je crois que de tous les cristaux, euh, le pouvoir du cristal était très long, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes hein, sur celui-là. Donc, la cérémonie, il faut trouver un endroit calme pour vous asseoir où vous ne serez pas interrompu. Placez un cristal d'éveil ou la carte sur votre cœur. Si vous n'avez pas le cristal, c'est pas grave. Appelez les dévas pour qu'ils vous soutiennent dans ce voyage. Prenez quelques instants pour vous connecter au pouvoir par votre respiration. Définissez vos intentions pour votre guérison. Visualisez une porte de cellules s'ouvrant dans le cristal et avancez. Vous vous trouverez au cœur du cristal et serez rejoint dans cet espace par le déva du cristal d'éveil. Le déva vous invite à entrer dans une chambre de guérison secrète au cœur du cristal. Suivez-le dans cet espace sacré et recevez votre soin. Restez dans cet endroit aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis remerciez les dévats et soyez doux avec vous-même les prochains jours. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il est un peu particulier parce que vraiment, il vous aide vraiment à travailler avec le cristal. Et si vous n'avez pas le cristal en votre possession, vous avez la possibilité de vous connecter à lui avec la carte, hein, parce qu'on ne peut pas avoir... Euh si on veut vraiment un vrai cristal de très très bonne qualité, ils ne sont pas donnés, c'est certain. Et on ne peut pas avoir chez soi tous les cristals de la Terre, c'est impossible. Donc là, il y en a quand même 33 de cartes. Et donc, ça vous, déjà, ça vous permet déjà de travailler avec ces cristaux-là. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, en premier lieu, je n'ai pas forcément été... Waouh, wow, sur l'oracle sur au premier abord, et puis du coup, après, quand on fait connaissance avec lui, qu'on fait connaissance avec le texte, avec les cartes, et eh bien vous voyez que c'est un, un véritable outil de travail, de développement personnel, de soins et de guérison. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci de votre écoute, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. thank